Eh bien, bonjour tout le monde. Salut, Jouzam. Salut Ludo. Comment tu vas? Ouais, comme un samedi, mais pas en vacances. Ouais, t'as repris, hein. Bah, ça me fait encore super plaisir que tu sois là. J'adore jouer avec toi. Mes adversaires habituels ne me posent aucun challenge, alors. Non, mais c'est vrai, c'est cool. Alors, tu viens juste de me dire off-cam que t'as jamais joué à Netrunner CCG. Non, ANR oui, Netrunner non. Mais c'est une honte. Alors, j'ai jamais été fan du design des cartes. Ah, je peux comprendre. Et du coup, ça m'a pas attiré plus que ça. Je peux comprendre. Chose que j'ai regretté en découvrant ANR. Aïe. Est-ce que tu veux un rappel des différences? La différence, si je te dis pas de bêtises, la track est différente dans le sens où tu mises des points et c'est pas des points de départ que tu as au départ, sur la trace. La Donc tu lances valeur de track, c'est une valeur maximale maximum. de dépense. Voilà. Et tu mises caché. C'est ça. Là où ANR, tu commences par miser et le runner fait comme il veut derrière. C'est ça. On révèle notre mise cachée. Moi, ma dépense, c'est 1 pour 1. Toi, la dépense, c'est modulé avec une carte sur Voilà. table. Tu as une base pour X et plus C'est le X link pour X. qui nécessite une carte en runner que tu n'as pas sur C'est ANR. ça. Tu peux pas jouer à l'évasion si tu n'as pas de C'est ça. machin. Les virus sont différents parce que tu peux utiliser tes trois actions pour tracher tous les virus n'importe quand. N'importe quand, ouais. Et Voilà. c'est même mieux, c'est tes trois prochaines actions. Oui, Ça veut voilà. dire que tu peux faire ta première action, tu la Et joues. puis tu en crames trois et tu n'auras plus que deux le tour d'après. C'est ça. Voilà. Et Il n'y a pas de mulligan. globalement, il n'y a pas de mulligan, Ah, t'as vu, mais on c'est peut en faire un. mauvais ce jeu. Non, mais à l'époque, Oui. on peut en faire un pour le coup. Les régions, je dois les activer au moment où je les installe. C'est ça, sinon je peux pas les utiliser. C'est ça. Et Mais tu peux les globalement, installer, pas les activer, non. mais du coup tu peux pas les utiliser. Non, Enfin, non, c'est vraiment si je veux l'installer, je l'active. d'accord. Et globalement, c'est tout. Après, il y a quelques petites séquences dans le run qui. Et encore, non. Le reste est franchement similaire, ça va. Eh ben, bah écoute, je joue Corpo, donc je vais commencer. Ok, bah du coup je vais jouer runner. Comment ça me fait plaisir. Donc on vient de fêter, enfin fêter, c'est un bien grand mot, on n'a rien fait de 25 ans spécial. de. 25 ans. Et combien de morts? Bah, 24 ans. 24. Non, il est mort en janvier 2000. 21 ans qu'il est mort. Si on compte pas à NR. Tu comptes pas les nerfs. En fait, tu joues avec des petits jetons comme les jetons comme ça, toi. Hop! Moi j'aime pas. Alors, est-ce qu'on fait un mulligan alors? 1, Vas-y, 2, on se. Non, 3, vas-y, on va jouer 4. à À l'arrache. la dure? À la Vas-y, dure, à la il n'y a dure. pas de problème. 1, 2, 3, 4, 5. Et du coup, 6 parce que je pioche en début de tour. Oh putain, je joue à Netrunner, mais c'est la fête. Ah, attends, parce que maintenant il va falloir que je lise toutes les cartes une par une que j'ai jamais vues de ma vie. C'est vrai. Bah, j'ai de la chance, là, je commence à avoir Qu'est-ce des que cartes en c'est que double. cette main? Alors c'est bien, c'est comme je connais pas Je vais te faire un les headshot cartes. power blow. Fais gaffe. Ouais. Bah, dodge. Dodge, ok. J'annule ta dodge en éphémère. En éphémère, Ouais. ouais. J'en profite, hein, vous le voyez pas, enfin sans doute pas, mais je suis en train de boire un petit café, évidemment. Ah, tu peux installer des ressources face cachée. Oui, tu as un mot-clé, c'est hidden. Ouais. Tu l'installes face cachée et l'utilisation des hidden, c'est en éphémère, en payant souvent de la thune. Et le timing pour jouer les éphémères, c'est quasiment n'importe quand en fait. Début de tour, fin de tour, au début de chaque run, à la fin d'une des actions, à la fin des ice, quand le run est successful, enfin voilà, quasiment n'importe quand quoi. Par contre, tu peux pas le faire quand tu es en rencontre avec une ice. Sauf si c'est écrit spécifiquement dessus, You may use disability when encountering an ice ou un truc comme ça. Alors, vu que j'ai 4 agendas en main, mon but, ça va être de protéger la main. Ah, t'as 4 agendas en main. Mais comme je suis un foufou, Tu protèges le deck. je vais faire première le deck. Première le deck et deuxième, troisième thune. Et là, regarde. T'as 4 chances sur 5 d'avoir un agenda. Alors, ça marche comment ça? Attends. 1, 2, 3. Oui, si, c'est Ça ça. fait quoi bruyant? Je sais qu'il y a des subtilités entre bruyant et furtif dans. De base, ça sert à rien. Par contre, ça permet de trigger d'autres effets. En tant que runner, tu as des cartes qui s'installent, qui te donnent de la thune récursive. Et Ouais. souvent, ces cartes-là, elles sont stealth. Et D'accord. quand tu utilises un bruyant, bah vu que c'est bruyant, ça te fait perdre de la thune de tes cartes Et si t'as furtives. plus de cartes sur les cartes furtives, tu peux continuer à utiliser le bruyant. Oui.
Oui, c'est juste en fait ça te nique sur la combinaison furtive. C'est ça. Okay. Et moi, j'ai des glaces qui existent, qui sont des sleepy, et qui se réveillent quand tu utilises des brouillards. Et souvent, c'est je les paye 5 de moins que leur coût d'activation réel. Et ça, tu vois, c'est aussi un truc qui avait disparu, alors que... Ça après, ils ont fait l'inverse dans ANR, mais c'était un... Ouais, mais le style feu d'ANR, c'est... Enfin, il n'y a plus la thématique noisy, en fait. Okay. Du coup, Donc moi, j'ai 4 clics. C'est parti. Donc je vais dire, bah tiens, comme je sais que tu as 4 agents en main, je vais runner sur ton deck. T'es sûr? Ouais. J'ai envie de pas activer, tu vois. Bah vas-y, active pas. Bah, ils sont tous là. Ouais, je sais. Mais bon, je vais activer quand même. Oh, c'est incroyable. Ils sont peut-être pas tous là, alors. C'est un mur. Oh, zéro de force. Une subroutine and the run. Ok. Là, il faut le quoi. donc, c'est un mur. Et donc, par exemple, moi, je peux payer 1, ouais. Installer un marteau piqueur. C'est tout à fait légal. Voilà. Et dire, clic 3, je rerun sur ton deck. Je paye 1 pour casser la routine. Même pas, c'est 0. C'est 0. Ah, c'est 1 pour la force, pardon. Je paye 0 pour casser la routine. Putain, mais c'est dégueulasse. Donc, je veux voir ton deck. C'est vraiment un jeu de merde. Voilà. Alors, putain, c'est bien ça comme carte. Bah, ouais, ça va rester là. Ouais. Malheureusement. Ok. Donc il ne me reste plus qu'un clic, si je ne dis pas de bêtises. Il ne me reste plus qu'un clic, bah, j'ai pioché. Pioché, c'est ça. Non, deux clics. Non, deux. J'ai fait run, install, run. Ah oui, c'est vrai. Oh là là, je suis fatigué. On va encore dire que je triche. Oh. Non, je suis juste à la ramasse. Voilà. Alors, zéro. Voyons voir ce que tu as vu. Ah ouais. Bah écoute, première, je la joue. C'est incroyable. J'avais gagné 4. 2, 3, 4. Première, je la joue. Je vais ensuite effacer ce taille-là. Hein. Non. Et puis on installe ça en deuxième. Super déçu. Et en troisième, on va prendre un thune et c'est à toi. Mm. Bah écoute, hein. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 11. Je peux mettre un Cerbère. Ok, donc c'est à moi, premier clic, je vais payer 1. Et je vais jouer un Edited Shipping Manifest. Oh le salaud. Donc je run sur ta main. C'est bon. Je n'accède pas. Ok. Ok. Toi, tu perds 1. Il est là. Moi, je gagne 10. Et tu prends un tag. Et je me prends un tag. Que je vais enlever tout de suite. Hein. Bah non, laisse-le. 5, 1, 2, 3. T'es un runner courageux ou pas? 4, 5. Je paye 2, j'enlève le tag. Et donc, il me reste... Deux clics. Oui. Ah. Je vais payer 4, je vais installer ça. Waouh. Roger Robot. Voilà. Et en clic 4, je vais runner sur ton deck. T'es sûr? J'en fous furieux. T'es sûr? Ouais. Bah je l'active, ça me coûte 7, il me reste 3. Ouais, c'est une sentinelle. Ouais. T'as vraiment le cul bordé de nouilles. Ah non, j'aurais pas runné comme ça si j'avais pas un casse sentinelle. Et donc, il faut que je paye 4 pour augmenter la force. Attends. Ça, hein. Ouais. 4 pour augmenter la force et 1 pour casser. C'est ça. Est-ce que tu accèdes? Ah bah. Oui. Je préfère demander. Oui, ça c'est des points, ça je crois. C'est des points, de points ça d'ailleurs. Hein. Non. Ouais, si, c'est. Si. Alors je connais pas le design de ces cartes là, mais je dirais que ça te coûte 4 et ça me rapporte 3 points. Putain. Ah le salaud. Merci. C'est très gentil de me donner tant de trucs. Et j'ai fini mon tour. Hein. C'est de la merde ce jeu. Bah oui, c'est le tien. Zéro. Première, je gagne 1. Deuxième, je l'utilise. Ça te coûte 1 par contre. Que j'ai gagné en premier. Ah oui, d'accord, oui, c'est... pardon. Et en dernière, je gagne 1. Ok. Et donc, c'est à moi. Mon premier jeu pioché. Il n'y a rien qui me fait gagner de la thune dans ton jeu. Hein. Mais ça sert à rien la thune. C'est rigolo ça. C'est rigolo. Bah, ça coûte trop cher, mais c'est rigolo. Toi, en clic 2, je vais renaître sur ta main. Parce tu me fais plaisir. Ouais, de toute façon, comme tu as dit que tu avais 4 agendas, ils sont là les 4. Sinon, c'est que tu m'as menti. Ça serait pas bien. Je sais pas. Mais moi, je sais là. Alors, mec, c'est sur run on this floor. You may choose a nice. Ok. Ok. De toute façon, t'as pas 3. Non. Ensuite, clic 2, je vais repiocher. Non, c'est clic 3 d'ailleurs.
3. Alors attends, parce que du coup je vais dire chaque carte, vu que je les connais pas. Putain, t'as déjà 3 points, quoi. Psychologiquement, tu me domines, là. À toi. Zéro. Ah, ça, c'est plutôt... plutôt sympathique. Zéro. Première. Deuxième, troisième, à toi. Ça, là, c'est quoi, je vais... Fin du tour... Et je perds toutes mes actions. Tu forgos ta prochaine action. Donc ça peut aussi continuer sur le tour d'après. Ah oui, d'accord. Oui, c'est justement... c'est pas comme... Donc t'as mis Nice toute seule. Bah ouais. Ok, donc à moi. Clique 1, je pioche. Ok. Clique 2, je vais aller dans ta main encore. J'en étais sûr. Moi je veux voir ce qu'il y a. Tu vas retomber sur la même. Bah je sais, je fais ça tout le temps, c'est ma spécialité. Ah non, une autre. Ah bah tiens, je vais... ouais. Accept Doppelganger. Je vais payer 2. To give the runner Doppelganger counter. Ignore the effect of. Attends. Give runner Doppelganger counter, même si devient une autre. Ignore the effect. If runner accept the Doppelganger from the archive. Un crédit start au sac de ses tours. Runner met une action, il paye 4, tu remove Doppelganger. Ah, c'est relou ça. Donc je vais payer 2, je te donne un token Doppelganger, et au début de chacun de tes tours, tu perdras un crédit pour chaque token. Je peux payer 4 pour. T'imagines ça en no limite. Je te dis toup. Bah tu perds 8 partout, hein, ça va. Mais ouais. Payer 1. Je mets 12, c'est ça? Ouais. 4. Une que tu connais. Ouais, ouais. 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Donc il me reste un clic. Il me reste un clic. Je vais jouer ça en matériel. Ok. Peut-être faire une petite sauvegarde parce que. On sait jamais. On sait jamais. Zéro. Zéro, zéro, zéro. On va faire première, deuxième, troisième à toi. Qu'à moi. Moi je perds 1. Oui. Ensuite je vais faire première, deuxième. Troisième. Ouh, bah dis donc. Ah, ceci dit, elle est pas mal en scellé. Quatrième. Tu dois mettre 2 dessus et c'est des crédits. C'est ça. Qui marche sur les sentinelles là. Ouais. Sur les bruits sentinelles. Zéro. 1, 2, 3 à 3. Ah oui, c'est vrai que tu joues comme ça. Je perds un crédit. Ça veut dire quoi comme ça? Je perds un crédit. Bah, tu vois, c'est des tours nuls. Tu passes ton tour à faire quoi? Je pioche, prends 3 thunes. Je pioche, prends 3 thunes. Mais non, mais et après, tu oses me dire que. C'est ma façon de jouer, c'est comme ça. Tu oses dire qu'un jeu comme Mage Noir pose problème là-dessus? Je comprends pas. Non, ça pose pas problème. Je comprends pas. La corpo, moi, c'est du slow play tout le temps. C'est très bien. Dans votre pile de... je savoure te voir en galère. Mais c'est parce que je connais pas les cartes. Alors, mais je savoure quand même. On peut faire ça, c'est un jeu que tu connais pas aussi, tu verras. Sur tous les jeux que tu me montres. C'est ça. Moi, Star Wars, j'ai galéré l'autre jour quand même. Bah oui, mais j'ai pas savouré spécialement, tu vois. A priori, j'avais une mauvaise main de départ. T'avais beaucoup de vaisseaux, je crois. Et d'armes. Ouais, puis ouais. Je pense qu'il y a 6 forces que t'as utilisées inutilement. Ouais, ouais, et puis j'aurais dû mettre les weapons sur les vaisseaux, j'aurais eu des bonus de forfait, enfin voilà, j'ai trop mal joué aussi. Hein. Donc moi, je vais faire... Je pioche, clique 1. D'ailleurs, je fais un petit coucou à CAD si tu nous regardes, mais je sais que tu nous regarderas. Clique 2, je vais revenir sur ta main. T'es sûr? Je suis certain. Clique 2, tu runs sur la main. Voyons voir ce que ça fait.
Je vais activer ce que c'est marrant. Je vais activer une sentinelle qui s'appelle Rex. 3 de force, une subroutine. Tu peux pas la break. Ouais. Je vais te tracer à 3. Comme j'ai pas de link, je te regarde. Je dépense 0 au cas d'égalité, c'est moi qui gagne. Voilà. La trace est réussie. Si la trace est réussie, j'end the run. Je te donne un compteur. Non, je te donne pas un compteur, mais par commodité, je vais t'en donner un quand même. Je te donne un compteur et tu ne peux plus runner tant que tu n'auras pas dépensé une action et 2 crédits. C'est bien, hein? Ok, ça fait que j'ai plein plein de trucs à faire, c'est rigolo. Ok. Donc moi je vais faire un clic de plus, encore un, et je vais discarder le doppelganger. Celui-là. Ouais. Ok. Et je peux pas runner là-dessus ou je peux pas runner tout court? Tout court. Ah putain, c'est super fort. Ouais. Enfin, en vrai, non, c'était pas ouf, mais en scellé comme ça, ouais, Ouais, carrément. c'est fort. Surtout que moi j'ai pas. Enfin, Zéro. Et je vais dire. Je vais dire. Bah, tout simplement, 2, 3 à toi. Montez. C'est vrai qu'une petite carte de thune, là, ça m'aurait fait plaisir. Donc moi je perds 1. Ah Ouais. non, je perds plus le 1, j'ai enlevé le doppelganger. Oui, non, c'est vrai. Donc je vais faire clic 1, clic 2. Hein. Voilà. Clic 3. Ça roule. Et clic 4. Voilà. Zéro. Zéro, zéro, zéro. Je vais faire première, deuxième, troisième. Ok, Il se passe des choses. il se passe des choses. Donc c'est à moi. Moi je vais faire clic 1, je pioche. Clic 2, clic 2. Ça va faire Ouf! chier. Et je vais prendre 2 thunes. Une ressource idem. Zéro. Ouais, alors par contre, c'est chiant. Mais est-ce réellement si chiant que ça? Non. 1, 2, 3. Je score l'agenda. Fumax. Ah, 4 pour 4, voilà. Je suis à 6 cartes. Je vais défausser cet agenda. À toi. Mais celui-là, tu l'as pioché avant, donc tu l'avais pas en main de départ, tu as quand même l'affaire, je l'ai vu. Je ne sais pas. Donc à moi. Alors moi, je vais faire, je vais prendre deux. Oh, que je pioche. Piocher. Alors. Ça, c'est comme la carte ANR en moins bien. Dans ANR, elle était sympa. Là, elle est nulle en fait. Mais peut-être. Peut-être. Ouais, ça coûte trop cher. Pas intéressant. Je vais prendre 3 tuyaux. À toi. Zéro. Première. Mais faut que je la défausse. Je vais la défausser. Ah, c'est celle-là que tu parlais? Ouais. Bah non, elle était pas mal dans Non, l'air mais quand même. le truc, c'est qu'en scellé comme ça, t'as pas forcément. Ouais, le truc à tracher. T'as pas de truc à tracher. Là où, quand tu construis, justement, t'as des cartes que tu Bah utilises, que oui. tu retraches. Et là, c'est devenu intéressant. Genre la carte que j'avais avant, du coup, au lieu de gagner 2, je la trachais, je gagnais 2. Et t'économisais une action, Voilà. ouais. Ouais, mais c'est voilà, ça me ferait économiser une action, mais ça m'aurait coûté une action pour la poser. Et puis est-ce que j'ai une autre carte qui me sert avec? Non. Donc jouer une carte qui va être optimisée au bout de deux fois, sachant que tu l'as utilisée qu'une fois. C'est mort. Voilà, c'est. Donc en première, j'ai gagné 2, pioché une carte. Première.
Deuxième, ça me coûte 1. Troisième. Il se passe des choses. Il se passe des choses. Et donc, c'est à moi. Ma première, je paye 4. Je vais mettre un clean. Ouf! Donc là, toutes les ice que tu vas rencontrer auront moins 1 de force. Voilà. Et ensuite, clic 2. Je vais runner ici. Donc ça va te coûter 4 pour celle-là. Voilà. Tu as 4. Ouais. Ça veut dire que si je veux faire quelque chose, c'est sur celle-là. C'est ça. Est-ce que réellement j'ai envie de t'arrêter? T'es en clic combien? 2. 2. Je fais clic 1 clown, clic 2 run. Ça veut dire qu'en clic 3, tu n'auras pas de thunes. Tu n'auras pas de thunes pour venir runner ici. Par contre, ça va me coûter malgré tout de l'argent. Qu'est-ce que je fais? Je t'arrête ou je t'arrête pas? Je vais t'arrêter. Ça me coûte 2. C'est un verrou and the run. Ok. je veux venir voir sur ta main. Vas-y. Je paye 2 pour qu'elle ait 0 de force. Enfin, pour, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié que tu avais force. Et je vais payer 1 pour break. Bah, c'est le jeu. Hein. C'est vrai que j'ai oublié que tu avais la puce. C'est une grosse carte. Hein. Ça va. Ensuite, on fait clic 1, 2, 3, j'ai fait. Il me reste un clic. Ouais. Et piocher. C'est fort. C'est cher. C'est cher. Ok. C'est très cher. J'ai pas besoin. Zéro. J'ai pas besoin de ça pour le moment, tu me diras, mais. Qu'est-ce que je fais? 0, 0, 0. On va faire 1, 2 et 3. Il se passe des choses. Il se passe des choses. Mais c'est normal, c'est un upgrade, je le sais. Je l'ai vu. Je sais que tu as vu un upgrade. Voilà. Donc moi, je vais faire... Ça me coûte combien déjà de passer lui? Ça me coûte, donc là j'ai 2. Ça te coûte 4. Ouais, donc ça me coûte. Ça te coûte 2 réellement, ouais. Ouais, je vais prendre 4 thunes. T'as pioché ton code cracker? Et toi? Mon quoi? Ton code cracker? Je sais pas. Non? T'as pioché un brise code gate? Je sais pas. Non, j'ai pas pioché un brise code gate. Ouais. Non, non, il n'y a pas écrit brise code gate dessus. Hein. Ouais. 0 0 0 0. Il y a écrit Icebreaker, mais il y a écrit neutraliser une procédure qui n'est pas forcément code gate. Verrou. Hein? Non, il n'y a pas écrit verrou non plus. Ok, bon. D'où le fait que j'en ai pas besoin. Parce que j'ai déjà. Ah, c'est Black Dahlia. Je sais pas. Moi aussi. Bah non, mais ça. Cher, c'est 10. C'est, non, c'est cher, Black cher pour moi, déjà 5, c'est cher. Ouais, bah 1 c'est cher hein, déjà. 1 déjà, c'est beaucoup. Mais... Plus que gratuit, c'est cher. Hein. 0, 0, 0. On va faire 1, 2. Et on va faire 3, tiens. Il va se passer quelque chose. Donc à moi. Ouais. Ah, je l'ai depuis le début. Hein. Donc celui-là, il break pour 1, il a 1 de force de départ, et pour 2, tu boostes à 1, mais jusqu'à la fin du tour. Voilà. Donc je vais venir ici. Je paye 1, je break. Oui, c'est vrai. 1, 2. Ah, ça y est, t'as créé la brèche, là. Putain, je suis dans le caca. T'accèdes ou tu es déjà out? Ah, je me pose la question. Réfléchis. Je réfléchis bien. Alors, attends, j'ai payé 3 plus 2 là. Est-ce que je... Ah, ouais, mais si tu meurs, si tu meurs. C'est de ma faute. Vas-y. Ok, ça c'est de la merde, tu peux le garder. Oh, ce que ça me fait plaisir. 5 pour rien. 5 pour rien. C'est un jeu de merde. Hein. C'est un jeu de merde, ouais.
On se tourne clic 3. Ouais, ok, celui-là est mieux. 4. Là, t'as eu le code cracker. Alors, 0. Ah, c'est marrant ça, j'adore. Ouais, enfin, ça se break à. Ah bon, on s'en fout. C'est une carte d'économie qui bluffe. Ça coûte 1, quoi. Ouais, il l'a vu, donc je vous la montre. J'adore cette carte parce que tu gagnes 3 crédits quand tu la raises. Et quand c'est unraised, bah, c'est de l'inconnu pour le runner. Donc des fois, il flippe. Alors finalement, c'est absolument mais rien du tout, quoi. C'est un peu comme pop-up window. Ouais. Un pop-up était plus forte. Mais ouais, donne 1 à chaque passage, en fait. Le runner te paye 1 pour passer. Donc. Par contre, ce qui était bien avec ça, moi j'appelle ça des réceptacles à je sais plus quel autre effet, mais tu as des autres effets qui rajoutent des subs ou qui donnent des triggers, et du coup, c'est des réceptacles gratuits qui ça, te financent. Ça coûte rien, ça te finance et en même temps, ça va chercher. J'adore ces decks-là. 0. Qu'est-ce que je fais? C'est ça la bonne question. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que réellement, ça serait pas une bonne idée? Ça serait pas une bonne idée. Je vais faire 1, 2, 3 et je vais scorer. Ah, encore un agenda. Un point seulement. Je mets 12 de la banque sur cette carte. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et au début de chacun de mes tours, je prends 2 et je les gagne. Ah, sympa. C'est très bien. Enfin, très bien. Ça coûte un peu cher quand même. Ouais. On construit, c'est injouable. Mais en scellé, quand il arrive, c'est plutôt sympa. Et par contre, je suis à 6 cartes. Je vais défausser mon deuxième agenda de ma main de départ. Voilà. Parce que j'en ai vu pas mal d'agendas de ta main de départ. Donc, j'aurais dû les prendre. Je me dis, j'aurais dû les prendre. Après, ils sont accessibles. Vu que tu as déjà 3 points, il y a de fortes chances que tu gagnes. Donc, à moi. Je vais run ici. Bah ouais. Voilà, donc je paye 1, je passe. Je paye 2 et 2, je passe. Là, je pense que t'en as un, à mon grand regret. Tu te jacques à out ou t'accèdes? Non, j'accède. Putain. Ça fait 3 et 3, 6. Aïe, 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 ça pue! C'est dommage, j'aurais eu celui à 4, là, j'avais gagné. Ah là 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 là. Clic 2, je pioche. Bien joué. Bon, tu le méritais. Et je prends 2, tu. Ça me troue le fondement de dire ça, mais tu le méritais. En 0, je gagne 2 de l'agenda. En 0, faut que je me défausse. En 0, je vais draw. En 0, je vais draw. Non, c'est pas ça, je crois que j'ai fausse. Oh là là. C'est ça. Tu vois, ça c'est bien, mais c'est cher. Ouais. Oh bah lui, il était juste là pour dupliquer, pour être sûr de piocher un breaker rapidement. Mais... Ouais. Moi, j'ai celui-là, du coup, je me dis. Ah, bah oui. Bon, celui-là, c'est. En scellé, c'est le meilleur. Après, tu me diras, ça coûte 6, mais ça donne 3 de MU. Enfin, 3 de force. Mais j'ai ça qui donne moins 1, donc. Ouais. Laisse-moi réfléchir. Putain, l'équilibrage est plutôt pas mal quand même. Je m'en remettrai jamais de cet équilibrage. Attends, il n'y a rien de compliqué. Hein. Qu'est-ce que je fais? Ici, on a dit que tu passais pour 1, 2, 3, 4, pour 5. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. 5, tu as 2 en récursif, donc ça te coûte 3. Donc tu peux venir en action 2, tu pourras pas runner le tour d'après, sauf accident de parcours. Il faut que je prenne plus trop de risques sur le R&D parce que tu es à 6. Donc le prochain que tu goal, j'ai perdu. Donc faut mettre une ice. Ou alors je pioche. Comme ça, c'est moi qui ai l'agenda en main. Oui, mais si je l'ai pas, pioche, il est là. C'est moi qui l'ai derrière. Ben ouais. C'est vraiment un jeu de merde. Du coup, qu'est-ce qui va te coûter le plus cher? Oh, ça, c'est très très bien.
J'ai fait 0. Première. Deuxième, troisième, à toi. Ok, moi j'ai pioché une carte. Ça va, t'as 6 points. Non, mais c'est surtout que je tire des cartes qui ne me servent à rien depuis tout à l'heure. Ah ben c'est du scellé, hein. C'est des points de vie, hein. Excuse-moi. Ouais, c'est Excuse-moi de incroyable. vouloir te mettre à l'abri Alors, de c'est la quoi la flatline. différence entre ces deux cartes, à part qu'elles n'ont pas le même nom? Ah, ça c'est une ressource, donc je peux le faire plusieurs fois. Ça c'est une manœuvre, donc je peux le faire qu'une fois. Et j'en ai besoin ni d'une ni de l'autre. Je peux faire plein de fois un truc qui me sert à rien. Mais je peux le faire plein de fois. En fait, tu verrais ma main, c'est nul à chier. Fais-la voir à la caméra. Voilà. Je vais la voir. Hop, je sais pas si on voit bien. Ouais. En fait, c'est très diversifié, hein. Je t'expliquerai après. Ouais. Je vais repiocher une carte. Mais de toute façon, en vrai, t'as besoin de quoi là? D'économie, c'est tout. Parce que t'es installé, t'as 6 points, t'as fait le gruyère dans le R&D. Ok, ça peut être intéressant. Je vais prendre Merde. deux thunes. Et je vais défausser ça. Et Ah ça, oui. tiens, voilà, hop, Ah, d'accord. voilà. Ok. Non, quoi que je garde ça, on sait jamais, je vais défausser. Ça. Je comprends. Tu En comprends? 0, je gagne 2. En 0, je draw. Ah bah si j'avais su. On va faire. Voilà, comment on peut faire ça? On va faire 1, 2 et 3. Moi, j'ai fait un run ici, en 1. J'active. Verrou, force 4, end zone. Ok, et donc c'est un verrou. Ah ouais, puis lui, il est relou. Ouais. J'aurais peut-être dû garder l'autre, en fait. L'autre. Est-ce que j'en avais un autre? Je prends un autre? Non, j'en avais pas un autre. Donc là, il est à force 3 grâce à ton clown. Tu dois le booster de 2, ça te coûte 4. Et breaker pour 1, ça te coûte 5. C'est ça. C'est ça. Donc je dis, oh là là, dommage. Et moi je dis, oh là là, tant mieux. Voilà. Ensuite, je dis, tiens, je vais payer 2. Non. Si je fais ça, tac, tac. Ça coûte combien? Oh, il a un 3. inside job. Non, on va pas faire ça tout de suite. Hop, 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 hop. Donc j'en reste 3 clics. Comment je le fais? Ah, ton inside est chiant. Regardez-moi ça, Je vais prendre la vieille 3D. 3 thunes. Je vais dire à toi. Début de tour, je gagne 2. Début de tour, je draw. Je vais. Je vais. Faire 1. Est-ce qu'on a vu? Oui, on a vu. 1. 2, 3, thunes à toi. Ça, c'est super fort en fait, parce que même au pire, tu payes 3, moi ça me coûte qu'un clic et 2, donc ça me coûte 3. Donc en fait,
Si par exemple, là, j'arrive sur une trace, tu payes 3, je paye 2, moi j'ai perdu mes 2 de toute façon. Et moi aussi, j'ai perdu mes 3. Moi, il faut que je paye 4 pour être surpassé, c'est ça? Non, en fait, ça dépend de ta carte Ah, oui, d'évasion. d'accord. En fait, toi, ton ratio de dépenses, il sera pas forcément du 1 pour 1. Ça dépend de ta carte. D'accord. Et des fois, pour 1 ou 2 de dépenses, tu passeras au-dessus de 3 ou 4. Là, il faut avoir Et des histoires sachant ça, moi, de... je vais peut-être pas miser 3, je vais peut-être miser 0. Du coup, toi, tu vas peut-être miser ton ratio de dépenses le plus Ouais. faible. Enfin, c'est... Non, parce que ce que je veux dire, c'est que si ça passe pour toi, dans tous les cas, moi, ça me coûte 3 au final. 2 thunes et une action. Donc, Oui. finalement, payer 3 pour toi, ça revient à même. Mais Enfin, sauf ça. que moi, je paye pas 3 si tu peux pas escape, parce qu'avec 0, je gagne. Oui, bien Donc, sûr. c'est Non, encore mais plus rentable. ça j'ai bien saisi. J'hésite à all-in. Allez, soyons dingues. Je vais payer 2. Je vais utiliser Excessive Oh! Fiac. Alors là, tu Et ça, c'est payes. pas une action. Non, c'est juste un éphémère. Tu payes 2, Voilà. tu regardes toute maman. C'est ça. Je vais voir, est-ce qu'il y a un agenda? Alors. Ça, c'est un agenda. C'est pas un Ça agenda. aussi, c'est un agenda, ça. Ouais. Ouais. Voilà. Pour 5, je mets 2 marqueurs d'investissement. Ok. Bon, voilà, je sais que j'ai pas run ta main. Ouais, j'avais un doute. Le doute, c'est... Elle est excellente cette carte. Oh, c'est fort, ça, je C'est trouve. bien, hein? Je trouve ça très, très fort, quand même. Et quand tu voulais faire la combo que je t'ai dit tout à l'heure, le ta sèche, le HQ, tu discardes, tu pouvais regarder le moment avec ça, tu regardais le moment où Là, ça tu vaut le regardes, ça coup. sert à rien Et juste avant, de tu venais all-in. sur R&D, tu mettais un autre agenda, et là c'est. Je t'expliquerai après ce que j'aurais fait si tu avais des agendas. Mais je pense que je pouvais gagner. Ah ouais? Mais bon. Ah bah si t'as un Hollands, oui. Non. Mais on va quand même run ici. Ah non, je recalcule. Ça me coûte 1, 2. Et lui, non, lui, il me coûte 4, lui. Lui, il te coûte 5 même. 5. Il a 3 de force, 3, tu donc dois 6, l'augmenter de 2, ah, ça te coûte 4, ça te 4, coûte 5, ah 5. 5, ouais. Ouais, non, c'est trop 6, cher. 7, 8, 9. Ça te coûte 9 pour tout passer là. Ouais, non, c'est trop cher. On va prendre 3. 4, d'ailleurs, même. Parce que j'ai pas assez de pain clic, ça. Début de tour, je gagne 2. Début de tour, je draw. Un, deux, je gagne de la thune. Et trois. Ok, commence à avoir peur. Bah, j'ai pas envie de perdre. Je comprends, je comprends. Hop, moi je vais piocher une carte quand même, parce que j'aime bien piocher les cartes. Là, je joue ça, je gagne 3. Oh là là, les bons plans. Les bons plans de fil de fer. Que les choses soient claires, mec. Dehors, t'es peut-être un caïd avec tous tes implants, mais ici, t'es juste un autre toto du mauvais côté du manche. Alors, assis-toi, respire un coup et laisse-moi t'expliquer. J'adore. Puis je vais run ici. T'es sûr? Ouais, certain. Soyons fous. Je raise. Superbe illustration de Mark Tedin. Qui coûte 7, c'est un homebreaker, c'est une sentinelle, une sub, trace 5, force 5. Si la trace est réussie, j'arrête le run, je trash un hardware, je colle 2 mètres damage que tu ne peux pas prévenir. Donc ça me coûte 5 à break. 1, 2, 3, 4, 5, C'est c'est ça, ça. hein? Ouais. Donc je suis passé. Ça me coûte, on a dit, 5. 5. Voilà, on va passer quand même. Et l'autre, ça me coûte 2 et 2. Alors, je vais sans doute faire quelque chose. Ah, j'ai pas vu que t'as installé un truc derrière. Ah, petit cachotier. Ok, pas le choix. Je vais activer Dr. Dref. Mmh. Je vais prendre une ice de ma main, Mmh. te forcer à la rencontrer,
Je paye la moitié de son coût arrondi à l'inférieur, 5, et t'es dessus. Donc, force 5, 1, 2, 3 subroutines. Première, c'est 3 nets. Deuxième, c'est 3 traces 5. Si la T'as pas fait trace. attention que t'avais installé ton truc là-bas. Ah, pourtant, j'ai. Ouais, mais je sais pas. Je savais que c'était. Je me doutais que c'était ça. Parce que j'avais vu. Tu voulais jackout? Ah, ouais, maintenant. Non, c'est bon. Non, mais sinon j'aurais jacké out là. Hein, j'aurais. Oui. Si la trace est réussie, je te donne un compteur Cerber. Chaque compteur Cerber te colle deux nets au début de chaque run. Tu peux claquer le compteur Cerber en dépensant une action et 4, et ça end the run. Et ça, c'est trashé à la fin de la rencontre. Ok, 3 dégâts. Hein. Ouf! Ah, dommage. Ah ouais. Je suis bien content de l'avoir trashé, ça. Un peu débile comme carte aussi. Ah bah, c'est une des 3 ou 4 à bannir du jeu, hein, clairement. Donc je peux payer 4 pour tracher mon corps en sinon je prends 2 Deux points nets au début de de chaque chaque run. run. Ok. Par contre, du coup, j'accède quand même. Non, ça end the Ça end run. the run? Ouais. Oh, putain. Ouais. J'avais pas le choix, en fait. Ouais, bon, c'est pas grave. Ensuite, je vais faire clic 2. Clic 3, je ressors. Ça coûte Ah, c'est 4. 4, 4, pardon. Ouais. Début de tour, je gagne 2. Début de tour, je draw. Et on va bah, cliquer dessus. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça t'a un peu asséché au passage aussi. Oui. Ouais, en plus, ça m'a défaussé ça et ça. Ça, j'aurais bien remplacé en fait. Parce que Un ça me coûtait un de moins. code cracker, c'est le Ça meilleur. me coûtait un de moins. Et ça, en fait. Moi, j'ai hésité à le jouer au début du tour. En fait, si t'aurais eu des agendas dans ta main, je jouais ça, je le craquais. Enfais, je jouais ça. Et je renais trois Oui. fois sur ta main, quoi. Donc j'avais de grandes chances de. Non mais Loan from Chiba, c'est je vais la montrer aux gens. C'est débile. Donc on fait Parce un que. emprunt à Chiba. Chiba nous donne 12 de thunes. Par contre, après, au début de notre tour, pour tout le restant du jeu, on doit payer un crédit. Et si on fait, on doit perdre un crédit. Voilà. Et si ça quitte la partie, on doit payer 10 ou on perd la partie. Voilà. Ça, à mon avis, en nos limites, ça va être craqué parce que ça doit être je t'en joue 10 d'affilée et puis j'ai Non, pas. t'en joues entre 4 et 6, ça suffit en Oui, c'est fait. vrai, en même temps, t'as 50 thunes et puis tu fais bon, Tu maintenant pioches tellement de je toute vais perdre 4 façon. par tour, mais je m'en fous parce que. Mais non, je crois qu'il y a des builds quand je joue 9 en fait. Ouais. T'en as un dans ta main de départ, et à chaque fois que tu veux de la thune, tu la joues. Tu rembourses jamais, tu t'en fous. Enfin, Tu perds un par tour, mais tu t'en fous. tu t'en fous. Si t'as Parce 0, que en fait, tu t'en fous. finalement. Non, cette carte, elle te coûte 1 pour la jouer, 1 pour la piocher, 0, donc elle t'a coûté 2 actions. Bah, c'est comme si elle te disait gagner Gagner 10 10. thunes, et puis au final, même si elle te fait gagner que 5, parce que elle est restée 5 tours en jeu, bah, Non, non, pour mais 0, 5, c'est. Elle est totalement c'est craquée. complètement abusé comme carte. Donc moi, clic 1, je pioche, il faut piocher là. Clic 2. Clic 3. Il faut me faut des cartes en main. Putain, sérieux. J'ai que des cartes comme ça. Ah, mais celle-là, ouais, d'accord, là, un autre intérêt. Ok. Et 4. 4. Ça me met 2 points de dégâts, hein, c'est ça. Ouais, Ok. 0, 0, première, deuxième Fast add. et Fast add fini. troisième. Et c'est 2 points. Oui, Ouais, t'as gagné. putain, c'était. Oh putain, oh, ah, t'aurais galéré. Enfin, moi aussi pour le coup. Ouais. Et sur le endgame, de toute façon, tu gagnes. Enfin, sauf si j'ai du Non, bah non, parce fastad. qu'une fois que t'as installé, c'est toujours compliqué. En gros, si tu préfères ma main, c'était
J'en ai défaussé deux programmes, deux cartes qui vont chercher des programmes. J'avais ça qui va chercher des programmes. Là, j'ai tiré ça qui va me chercher des programmes. Et donc, en gros, j'avais que des programmes et des cartes qui vont chercher des programmes. Mais le problème, c'est qu'en scellé, t'es obligé de speeder ton jeu Non, à mais je mort. comprends, mais en Et même si temps, t'as pas de tuteur. j'aurais préféré un peu plus de thunes, moi. Mais normalement, je crois que t'as deux ou trois breakers de chaque en scellé, c'est ça. Ouais. Au cas où, il te faut quand même du tuteur pour stabiliser hyper rapidement. Et normalement, t'as de la thune, hein, je pense. Enfin, de toute façon, j'ai tout mis l'économie possible. Ouais. Tu dois avoir peut-être Non, mais en 6 même ou 8 cartes temps, d'économie, mais. après, ça s'est joué 7 à 6, hein, c'est pas non plus. Bah ouais. Non, mais ouais, puis le Lone from Shiba, Ah ouais. il est, bon, il discarde, mais Bon, par j'avoue, contre, j'avais pas du tout fait attention à ton t'es install pas et. venu là, hein. Non. Non. De toute façon, je me suis dit, s'il met une carte là, c'est forcément pas un agenda. Parce que s'il avait mis un agenda, il l'aurait mis là. Pour le protéger. Parce que ça, c'est la même chose, ça, non? Ouais, voilà. Déjà. Ouais. Ah bah là, enfin, ça m'a sauvé. Hein. Et je crois qu'en plus, le run où je t'ai arrêté, C'est là que t'as tiré l'agenda? c'était l'agenda, je crois. Il me semble. Mais Ah non, t'avais pile poil mais. la thune. Un truc de taré. Et l'autre carte, c'était la bolter. Ça me coûtait que 3, mais ça arrêtait pas le run. Ouais. Donc je dis, bah non, j'ai pas le choix quand même. Parce que je me rappelais plus de l'autre à 11 là. Et en fait, c'est là que j'ai pas fait attention que ça réduisait à l'inférieur. Donc je l'avais bien retenu que t'avais ça. Mais Tu croyais que c'était le rest cost brut? non, enfin, j'ai pas fait attention. Pour moi, c'est la 11, tu pouvais pas, mais j'avais pas percuté que c'était la moitié Ouais. rendue à l'inférieur. Et là, sur le serveur de scoring, j'avais ça. Enfin, ça se passait bien, Ouais, ça ça. Ça t'aurait somme coûté, hein. 5. 5. Ça t'aurait coûté 9, ça. Hein. 9. Ouais. Pourquoi Avec 9? ton code gate qui se booste pour 2. Enfin, à plus 1 pour 2. Ouais, non, ce que je veux dire, j'avais l'autre. De toute façon, j'avais encore la carte pour aller rechercher dans la Oui. discard. Donc, j'aurais mis l'autre dans ce cas-là. Hein. Ça m'aurait coûté 3 4. actions, 2 de thunes aussi pour te setup. Ça m'aurait coûté 4 pour passer après à chaque fois. Et ça me coûtait 3. Ouais. Et sachant que j'avais 2 crédits récursifs. Donc, je savais Ah, qu'après. la puce là que t'as installée, elle coûte cher, Ouais, mais mais. elle est vraiment Deux bien. crédits récursifs, c'est bien. Et en fait, j'avais un truc pour éviter les traces, mais c'était un 0 de link, 1 point. Ouais. Ouais, c'est le truc Donc, basique. je me suis dit, comme j'ai déjà mes 4 programmes installés, Ouais. je vais pas forcer. Et puis au bout d'un moment, quand tu es installé, que tu as plein de cartes en main, tu crains toujours des trash qui font trash programme éventuellement, mais non, de toute façon, tu peux breaker. Si c'est issu de trash, tu peux breaker. Et quand c'est pas issu de trash, c'est pour des damage. Ouais, faut vraiment que moi j'ai deux cartes de bague en main pour te. Ouais, mais là, ta carte là qui faisait que je pouvais plus runner sur une trace, tu vois, c'est. Là, c'est une trace qui est vraiment impactante. Ça Oui, dépend des dégâts. À la oui. limite, je passais, je prenais deux tous les Oui, tours, je m'en voilà, c'est foutais. ça. Je savais que j'avais. Ah, c'est ça, moi, que je trouvais cool sur les effets de trace aussi. Après, un peu trop de marqueurs, de trucs qui se mettent partout. C'est le. Bon, vas-y. On fait le retour Vas-y. dans une autre vidéo? Bah, comme tu veux. Eh ben ouais. Eh ben merci tout le monde. Salut, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo. Et puis bah à bientôt pour le match retour. À bientôt.